derby, déjà, malheureusement, je l'ai vécu chez moi à la télé, vu qu'on était interdit des déplacements, malheureusement. Après, je dirais qu'on s'en sort plutôt bien, avec ce 2-2, avec ce but à la 91e minute de Métanir, qui nous délivre vraiment un max. Parce que c'est vrai, dans le jeu, c'était pas vraiment ça, mais au vu du résultat, on est quand même satisfait, quoi. Pour moi, le derby, c'était un peu frustrant, vu qu'on n'a pas pu se déplacer à Marcel Picot. C'est dommage. Bon, on a eu beaucoup de chance de s'en sortir avec un match nul. Hein, parce que sur l'ensemble du match, on n'avait pas à avoir un match nul. Nancy devait gagner le match. Ben, c'était assez passionnant, déjà, premièrement. J'ai bien aimé sur le combat des deux équipes. Assez fort, quand même, et intense. Mais bon, la suite, c'est plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des finitions. Hein. Donc au niveau des finitions, des passes, des relances, des appels, c'est ça qui pêche un peu au niveau du FC Metz. Pour moi, le vrai moment fort, c'est quand Métanir marque ce but et qu'il prend sa croix de Lorraine dans les bras et qu'il l'embrasse. C'était vraiment un vrai moment fort. Sinon, il y a ce but de... ce moitié de but de Bekamenga, vu qu'il a été attribué à Clément Langlais contre son camp, mais c'est quand même Bekamenga qui met la pression, qui fait à nouveau son rôle, quoi. Je pense qu'ils sont bien repartis. En le souhaitant qu'ils continuent comme ça, c'est tout ce qu'on veut. Au moins qu'ils restent dans le... plutôt de tête, c'est-à-dire deuxième, troisième, pourquoi pas premier. Ben, je pense que, personnellement, moi, ils finiront même dans les premiers. Hein, hein, voilà. Bon, l'avenue de Penka, Dinsberger, ça fait beaucoup de bien au club. Pour moi, vraiment, les deux pièces maîtresses, c'est Métanir, déjà, qui est formé au club. Yeni aussi, Yeni Mbakoto. Pour moi, c'est vraiment ces trois joueurs-là qui font la différence, quoi. Il y a un peu plus de motivation, je trouve. Donc depuis les premières victoires, je pense qu'il y a quand même un peu plus de motivation. Ouais. Alors le match contre Le Havre, moi je le vois plutôt d'une manière positive, vu que Le Havre reste, je crois, sur les 6 derniers matchs sur 4 défaites à l'extérieur, alors que le FC Metz, sur ses 4 derniers matchs, il reste sur 3 victoires depuis l'arrivée de Philippe Nuverger. Donc moi je vois ça plutôt d'un côté positif et j'espère une victoire, quoi. Bah, je pense qu'on a une possibilité de faire un bon match et surtout de le gagner. Donc moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'on va le gagner quand même. Ben, j'espère qu'ils vont prendre les 3 points contre là. Pour ça, un concurrent direct. Alors, il faut à tout prix gagner ce match.